Coucou à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc je vous reviens aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc c'est pour un haul de chez Action et Zeeman. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas été à Zeeman parce que c'était fermé. Et du coup là j'y suis retournée. Donc on va commencer par les choses d'Action. Du coup il y avait des nouveautés. J'ai trouvé ce masque là en nouveauté. Donc c'est avec des petits canards dessus. Trop chou, ça a l'air trop mignon. Après j'ai trouvé ces deux. Pourquoi là j'ai pris les deux mêmes, il y en a une autre. Donc tablettes pour mettre dans le bain. Donc là c'est avec les paillettes. Donc rose et bleu, ça c'est des nouvelles aussi. Après j'ai trouvé un petit calepin comme ceci. Sirène avec le crayon qui est trop mignon, smiley. Donc voilà. Après j'ai trouvé, c'est des bracelets je crois. Non, pour les chevilles. Voilà, moi j'aime bien. Du coup j'ai pris ceux-là, je les ai trouvés trop jolis. Donc pour cet été ça sera très bien. Celui-là il est trop beau je trouve. Donc voilà, j'ai pris ça. Après il y avait celui-ci aussi en nouveauté, masque avec des arcs-en-ciel dessus. Il y a écrit Good Night. Par contre impossible de retrouver les masques sans damasien. Je les ai vus une ou deux fois et depuis je les vois plus. Du coup on a pris une petite carte comme ceci, confetti pour que Swan y donne à sa maîtresse à la fin de l'année, bientôt du coup. Après on a pris des cartes Disney, donc j'ai trouvé mini comme ceci. Voilà, elles sont trop belles celles-ci, à chaque fois je craque dessus. La Reine des Neiges, Spider-Man, il est trop beau. Elles sont trop belles à chaque fois ces cartes-là. Et bien sûr les Avengers. Voilà, on a pris ça. Donc j'ai repris un ciseau parce que je suis toujours à la recherche de mes ciseaux. On me les pique ici les ciseaux. Donc voilà. Après j'ai pris quoi? J'ai trouvé Labello sans dalmatien. Donc j'en ai pas trouvé. C'était les seuls qu'il y avait. Il y avait sans dalmatien et il y avait. Qu'il y en avait un autre, ouais, là il y avait Balou. Voilà, c'est les deux seuls que j'ai réussi à trouver. À chaque fois c'est vide chez moi, mais c'est un truc de fou franchement. Après en nouveauté, je sais pas, je crois qu'ils en avaient fait l'année dernière aussi. Je sais pas si c'était les mêmes dessins ou pas devant, mais bon c'est pas grave, ils sont super beaux. Donc j'ai pris celui-là des princesses et j'ai pris Mini. Franchement il était trop beau. Elle est trop trop belle, donc j'étais obligée de la prendre, même si j'ai dit j'achetais plus de cahiers, mais quand c'est Disney j'ai un peu de mal. En nouveauté j'ai trouvé ceci, cette palette là. Donc il y avait aussi une verte, mais moi j'ai pris que la rose pour l'instant. Donc voilà, c'est des couleurs un peu roses. Voilà, j'ai trouvé en nouveauté, donc j'étais contente. Là ouais, la verte j'ai pas pris. Et du coup, j'ai repris ma soupline que je prends tout le temps à Action. Donc voilà. Parce qu'à Lidl, ils font pas trop de soupline. Donc j'en prends pas. Oups, je prends l'autre sac parce que j'y suis allée en plusieurs fois. Du coup, j'ai pris des sacs poubelles, hein, comme je prends d'habitude. J'ai repris des lingettes pour pas tâcher les vêtements. Je mélange pas Action et Nose. Là pour l'instant je vous montre Action et après je vous montre Nose. Zeeman je veux dire. J'ai pris une bougie à la citronnelle. Voilà, pour mettre dehors. Moi j'adore l'odeur. Bon, ça sent fort, mais comme ça, rien qu'hier, on s'est déjà fait piquer par les moustiques. J'ai pris ceci, une petite bouée pour poser son verre. Voilà, c'était Action. J'ai pris aussi ceci pour mon chien. Ça, c'était dans les 1,99€, je crois, comme ça. Voilà. Si, on prend souvent. Bah là, on avait pris Disney, mais là, il n'y avait rien du tout. Dernière fois, on en avait pris aussi des comme ça, les baby shark. Mes loulous, ils aiment bien. Donc, du coup, voilà. Là, ça fait au moins le quatrième qu'on a. Donne-moi les trucs, s'il te plaît. Swan. L'autre.
du coup, je crois que pour action... Ah si, il y a ça. J'ai enfin trouvé les brumes. Moi, j'avais trouvé que la licorne. Et là, ce matin, je suis trop contente, il y avait la mermaid. Elles sont bonnes. Donc, j'ai pris celle-ci. Bon, elles sont un peu plus chères, celles-ci. Elles sont à 2,50. J'ai pris celle-ci. Donc, je suis trop contente de les avoir trouvées. Ah, elles sont trop bonnes, celles-ci. Elles sont trop, trop bonnes. Et j'ai pris celle-ci. Bon, celle-ci, il manquait le bouchon. Mais je me suis dit, bon, c'est pas grave, tant pis, le bouchon, je m'en fous, quoi. Elle est légère, celle-ci. Donc, voilà, je suis trop contente. Je sais pas combien il y en a en tout, mais du coup, j'en ai 4. Je sais pas combien il y en a en tout. Et surprise, j'ai dit, oh, il n'y a encore pas de palette, il n'y a rien. À chaque fois, mon rayon make-up, il est vide. Et il restait 3 palettes. Donc, du coup, de la nouvelle. Du coup, je suis trop contente, je l'ai trouvée. Même si, sur les photos qu'on m'a envoyées, elle m'a dit, bah, c'est des nudes. Hein. Moi, j'en ai déjà beaucoup de palettes de nudes. Mais bon, elle est quand même jolie. Du coup, je l'ai pris. Je ne sais même pas combien elle était, parce qu'il n'y avait pas les prix devant. Donc, bon, bref, c'est pas grave, je l'ai pris. Donc, voilà, je suis trop contente. J'ai trouvé les nouveautés. Et j'ai pris aussi. Ceci pour mon chien et j'ai pris ces petits jouets là voilà à action et je crois que c'est tout pour action. Bon, bah après si je trouve un ou deux trucs c'est pas grave. Alors Aziman, je savais pas trop parce que des fois ils font des thèmes une semaine Disney mais on sait pas, je savais pas ce qu'il y avait là et du coup on est tombé sur les 100 à dalmatien. Donc voilà, on a pris un verre en plus en plastique mais bon ça c'est bien quand il y a des enfants et tout, donc moi j'en ai beaucoup des verres. Donc c'était 99 centimes. Après il y avait cette tirelire là, elle est trop mignonne franchement. Pareil c'était 99 centimes. Après j'ai trouvé ceci, voilà, ça c'est toujours pratique. Ça coûtait 79 centimes à Liman. Après j'ai pris ce sac là. Franchement, il était trop mignon. Je me suis dit pour faire un Disney Bounce ou quoi. Il est tout petit. Hein. C'est vraiment. C'était pour les enfants de base. Hein. Mais je me suis dit, ça peut faire trop bien. Donc je me suis dit, je vais le prendre. Voilà. Avec la lanière comme ceci. Il est vraiment tout petit. Hein. Donc voilà. Et il est à 5 euros. Mais il est trop mignon. C'est vrai que moi, j'ai pas grand chose de soin dalmatien. Du coup, voilà. Après, on a pris quoi d'autre? J'ai pris des chaussettes. Donc voilà, il y avait des chaussettes. Il y a deux paires. Là, il y a les blanches. Pour 1,79€. Après, il y avait quoi? J'ai trouvé un nœud comme ceci. En fait, il est, vous voyez, de mon défait, il est très large. C'est Noël, mais bon, je me suis dit, il n'y avait que deux, je crois. 1,50€, je crois. Vous voyez, il y en avait deux. Comme ça, j'ai pris pour mes deux loulous. Il en restait plus que deux, donc je me suis dit, c'est sûr, c'est pas Noël, mais bon, c'est pas grave. Après, j'ai trouvé ces petits bracelets-là, je les ai trouvés mignons aussi. Pareil, sans dalmatien. Le noir, il y a écrit sans dalmatien, là, c'est les couleurs. Et en fait, derrière, quoi, c'est dedans, il y a ça, voilà. Il coûtait 1,50€ aussi. Après, on a pris... attendez, je sors ce qui reste. Hop. Après, on a trouvé des gants. C'est vrai qu'ils en font pas mal à chaque fois à Ziman qui sont sympas. Donc là, on a trouvé un comme ça, Snoopy. Coûtait 1,09€. On a trouvé celui-là, c'était le seul. Du coup, on l'a pris. 1,09€ aussi. Non, non. Oh. Après. J'ai pris aussi un bandeau comme ça. Bah, ça peut faire un Disney Bond aussi sans dalmatien du coup. Voilà, 1,29€. Moi, j'aime bien les Urban, du coup, voilà. Ça, je sais plus si... Non, ça, je crois que c'était Action, je me rappelle. Ouais, ça, je crois que c'était Action. On a pris des lunettes comme ceci, il me semble, parce qu'à Ziman, il n'y avait pas pour mon grand. Donc, voilà, toute simple. Et j'avais pris ça aussi, Action, des pinces comme ceci, parce que à chaque fois j'ai des petits cheveux, je mets de la laque, mais la laque du coup ça, bah, ça m'abîme les cheveux. Donc, et on a trouvé, il n'en restait plus beaucoup, du coup je suis dégoûtée. Va chercher ton ta peluche aussi. Ah, j'en ai et pas la tâche. Et bah sinon, c'est pas grave. Du coup, voilà, une serviette de plage
100 dalmatiens, donc elle est trop jolie. Moi, je vais essayer de la vous montrer, mais voilà, elle est trop trop belle. Et elle coûtait pas cher, 4 euros. Ouais, 4 euros. Et du coup, j'ai pris aussi ceci, des petits chouchous comme ça. Voilà, 100 dalmatiens. Pour 1,99€, et mon loulou, il avait un petit peu tout. Il a voulu se prendre la peluche, il en restait pas beaucoup non plus, il en restait deux. Du coup, voilà, elle est trop mignonne. Elle coûtait pas très cher, je crois, c'était dans les 6,99€ ou 7,99€. Donc, pour une peluche, ça va. Et du coup, en fait, du coup, désolé, ça s'est coupé, j'avais plus de place sur mon téléphone. Donc, voilà, je vous disais, elle parle, et elle est franchement pour 7€, elle est trop trop chou. Donc, voilà. Il était trop content, mais c'est vrai que du coup je suis retournée, il n'y avait déjà plus la serviette et plus le doudou, du coup je suis deg. Du coup je suis passée vite fait ce matin à Ziman, à Noz, ça faisait longtemps, mais à chaque fois que j'y vais il n'y a rien. Puis dans le mien franchement c'est vraiment le bordel, ça me saoule maintenant plus qu'autre chose. Puis les gens sont vraiment, quand il y a trop de monde là-dedans, déjà que moi c'est un peu une usine, il n'y a pas beaucoup d'air dedans, voilà, j'aime pas trop, voilà. Là c'est vrai que j'y suis allée ce matin, il n'y avait personne, du coup pas grand monde, bref. J'ai pas trouvé grand chose, donc j'ai trouvé un highlighter comme ceci de la marque George. Franchement il est trop beau, pour 1,29€, donc j'ai pris ça. J'ai pris aussi, il y avait une palette comme ceci, voilà, de la même marque, pour 1,99€, pareil, c'est une palette d'highlighter. Donc voilà, elle est super jolie. Il y avait d'autres palettes, mais bon, les couleurs ne me... C'est des couleurs nude, très foncées. Moi, je suis pas trop dans le foncé noir, marron foncé. J'aime pas trop, ou bleu très foncé. Du coup, j'ai pas pris. Elles étaient à 2,50€, je crois. Ouais, je crois. J'ai pas pris. Et du coup, il y avait des lipsticks de Laetitia Well. Donc ça, moi, j'adore. Donc du coup, j'étais trop contente. J'en ai pris deux. Bon, il n'y avait pas 50 millions de teintes. C'était un peu les mêmes. Après, il y avait des marrons très foncés. Du coup, j'ai pas pris. Donc du coup là j'ai pris la 505 et 506, bon elles se ressemblent un peu, il y en a une un peu plus foncée que l'autre, mais elles se ressemblent quand même, vous voyez, bon là elle est plus claire, ouais, rose et plus claire un peu. Donc voilà, pour 99 centimes, donc du coup je suis trop trop contente. Donc voilà pour les achats, j'espère que ça vous aura plu, mais c'est vrai que Simone, ça faisait super longtemps, j'avais trop à y retourner, et là je suis trop contente parce que j'ai trouvé quelques petites choses. Donc bah, je vous fais plein plein de gros bisous et je vous dis à très vite. Bisous bisous, bye bye.